dès mon enfance, je me rappelle avoir vu des films de 15 minutes qui passaient tous les dimanches accompagnés de films pour les enfants chez nous à Caracas. Et Ming était comme un Chinois qui habitait dans une planète flottante. Et lui traversait un rayon blanc lumineux qui marchait sur la lumière. C'était en 1943-44. Mon père et ma mère, c'est magnifique, ils ont passé deux mois ici, ils me sont engendrés ici à Paris. Ah. Et mon père et ma mère, ils ont décidé, père, Ana Louise, c'était ma mère, on va engendrer Ruben. 10 ans d'amour, et voilà, Ruben est né. Action. Yes. Caméra. Il était un jour de jadis de janvier, de juillet de 1949 que je décidément embarqué pour la France. Pas seulement l'Europe. On était 27 artistes vénézuéliens et ils sont partis l'un des autres. Et je suis arrivé en juillet de 49 à Marseille, à Paris, à Marseille. C'est là que j'ai commencé à sentir la sensation entre l'abstraction qui était à la mode, la manifestation des modes plus avancés de Paris, et en suivant les premiers maîtres, Kandinsky, Malevich, Mondrian, on pourrait rester là jusqu'à l'infini, mais c'était une version de deuxième main des maîtres. Plus, commencer à sentir les vibrations optiques, des phénomènes lumineux, parce que nos yeux existent par la lumière. Ils existent, ils sont de la présence des fonctions avec la lumière, sa lumière. Et la lumière, ça a continué à m'intéresser beaucoup sur les phénomènes vibratoires et cinétiques, discutant avec tout le monde. Tout Paris, où je passais, je parlais du cinétisme. Il n'y avait pas personne. On était obsédés, 1950, 51, 52, 53. J'ai tourné autour du sujet, sur les variables, pour connaître des contradictions, ou des livres, ou des points d'appui, ou des éléments qui pouvaient m'enrichir cette possibilité expressive. Lumière, substance élastique qui nous permettent de nous exprimer l'intimité de l'être humain, l'absurde de l'être humain, l'humour de l'être humain, la sensualité, l'érotisme, la passion, la politique, enfin tout ce qui est mis dans ce qu'on appelle un écran fixe, qui était sûrement la toile, le papier, les supports classiques d'une histoire de, à travers les siècles, matériaux résistants à travers les siècles. Même la surface des caves, bien sûr les caves de Lascaux, les caves d'Altamira en Spain. Et c'était un témoignage de résister le temps pour dire une inquiétude de son transi existentiel. De cet humain. Nous sommes tous des chercheurs. Le cinétisme a commencé vraiment à prendre comme mot une action des variables, mais que j'expérimentais sur la perception de rétinienne sur l'œuvre d'art. Le thé de 1950, j'ai rencontré Carmelo Arlinquin. Le phénomène de eux, c'était de changer la forme extérieure de l'œuvre. M'a dit de changer, transformer cette notion classique, symétrique du tableau. Et moi, j'étais d'accord, les changements de. Parce que la forme extérieure, c'est la vie. La forme extérieure n'a pas une forme régulière. La vie est un impondérable. Même
les œuvres aussi doivent se présenter d'une façon irrégulière, l'expression. Mais les dents, ça commençait l'inquiétude. Les dents, l'expression du dedans. On doit faire de l'abstractionnisme dans une forme irrégulière. Je me disais non. Il est à la base du cinétisme. Parce que quand il était avec nous dans les mouvements Mahdi, il est venu avec sa théorie des vibrations. Et il nous disait qu'il fallait étudier ce Ra. Vous voyez, du pointillisme. Et il a commencé à faire des tableaux pointillistes en vibration. Oui, oui, avant tout le monde. Avec eux. Et puis il discutait avec Vasarely et tout ça, avec Soto, qui ont pris cette idée du cinétisme. J'ai commencé par des vibrations, par des petits points successifs noirs sur un fond blanc, par exemple. Et ça commençait les vibrations. Alors, j'ai commencé à sentir la vibration des lignes interférentielles. Alors, j'ai trouvé des fils en laiton, des boules en bois, et l'exposition s'appelait Espace-Lumière, décisif pour ma vie. Alors à l'entrée de la vitrine, j'exposais Scherzo, c'est-à-dire jeu de l'italien, je ne sais pas, il m'est venu un nom, Scherzo. Alors l'œuvre finalement en laiton était suspendue, et le mélange de la lumière blanche sur le mur et le filament de laiton donnait encore des accélérations cinétiques. Mouvement qui était signalé déjà par la belle œuvre de Calder, à qui j'ai bien connu. J'ai fermé le travail en été de Paris, même sous conseil d'un médecin. Et de m'en aller plutôt me calmer, j'ai pris des vacances à Venise où j'ai découvert la Verrerie. Et la Verrerie, ça m'a donné des énormes possibilités, la transparence, le cinétisme, les mystères du cosmos, l'optique. J'ai commencé à découvrir aussi l'optique à travers la Verrerie de Venise. Communistes, tous ensemble, ils croient à ces trois couleurs. Les couleurs primaires de la matière pour obtenir le marron ou mélange de sang. Moi, je l'obtiens avec la photonique, j'obtiens le jaune. Alors, je suis différent en eux. Et ça, c'est de ma chère Venise, avec amour. Il y a tous des gens qui viennent aussi, quoi, qui portent ça. Là. Venise, voilà. Là aussi, c'est un mélange d'Arlequin, de la poésie, du ridicule, parfois, de la beauté, du désir, des inconvénients solides. Alors, il n'a plus les livres. C'est au fur et à mesure que ma vie s'est présentée, mon inquiétude. Bien sûr, j'ai fait des dessins, j'ai fait la peinture, j'ai fait un film, j'aurais voulu faire d'autres, peut-être il est possible, un film qui s'appelait Espace-Lumière. C'était saisir toutes les images cinétiques de phénomènes lumineux, de la réflexion des métaux comme l'aluminium, l'acier brillant, et coordonné avec la musique de Vallès, Espace-Lumière.
et espace. Si l'on a vu par exemple l'œuvre de Malevitch, blanc sur blanc, noir sur noir, qui d'une certaine manière ont fermé la notion du plan de toute l'histoire de la peinture en tant que recherche de l'inquiétude visuelle de l'être humain, un des plusieurs côtés, une des plusieurs ramifications de la recherche humaine du point de vue de lumière, nos chambres optiques, nos yeux, l'élasticité de la lumière et l'espace. L'espace, ce qui est devenu pour moi très inquiétant. Si je pose ma main à cet instant, n'importe quelle courte distance de ceci, c'est là, c'est vide, qui, pour moi, est le plus inquiétant de notre volonté de connaissance sur dans quel milieu nous vivons, dans quel milieu, qu'est-ce que c'est l'univers, pour l'exprimer poétiquement dans l'art. Et l'espace, c'est-à-dire ce contenu qui permet, ce contenu perméable qui permet la lumière, son dépassement continuel à travers les profondeurs cosmiques jusqu'à nous. Cet espace, l'intrigue, qu'est-ce qu'il y a dedans si c'est le moins où tout naît de l'espace, de l'inconnu. Poétique d'une façon ingénue, sans Saint-Exupéry l'a suggéré dans Le Petit Prince. Rappelle-toi, Petit Prince, que l'invisible est plus important que le visible. Une œuvre que j'ai faite à New York qui s'appelait Matière et Antimatter. Matière et sens opposé, antimatière, où j'ai réalisé, j'ai pu faire l'espace, le noir de l'histoire de l'art, pour exprimer l'espace. Un noir rempli de probabilités de décodification pour, du point de vue de l'art. Dans notre notion ingénue de percevoir qu'est-ce que c'est cette réalité comme une autre version de ramification des artistes sur cette notion de l'espace. Ça me tient beaucoup à cœur. Je sens aussi que le cosmos est tel mentionné de plus en plus fort dans nos existences, dans ce nouveau siècle, c'est que le cosmos est en nous. Tous les étoiles, tous les cosmos circulent dans nos veines, circulent dans nos nerfs. Et nous sommes partie totale de l'entité intégrée des composants cosmiques. Seulement que la force, notre force transitoire dans nos expressions de art, littérature et science, est à chercher à travers le temps des biais, des profondisations pour décodifier ces contenus, je pourrais dire, innommables jusqu'à maintenant. Volatile, c'est même pas l'expression de l'espace.
quand j'ai commencé à faire avec de la serre à l'altitude optique mes premiers hologrammes holocinétiques, en effet, je suis arrivé Brown University, l'université Brown, hollandais qui était le directeur du programme, Jody Burns à New York, Posse Jackson à New York, Steve Benton, Tung Yong, des gens très vite, des conditions possibles de développer vite, vite cette expression artistique. Quand ils ont vu les œuvres, surtout Cristal de la planète arc-en-ciel faite à l'Institut d'Optique de Paris, ils ont dit, merde, c'est pas mal ça. Comment vous l'appelez holocinétique? Oui, parce que ça bouge, c'est poétique, c'est tridimensionnel, et ça bouge. C'est la notion du cosmos. Caméra, action, clac. Ceci dit, toujours un départ. Depuis que nous sommes partis de ce monde, on est toujours, on arrive, on part, on arrive, on part. Le cinétisme sur la forme graphique de l'écran électronique, ça présente des possibilités que j'ai déjà avancées avec des résultats surprenants et en même temps signalant d'autres capacités de l'univers, d'observer l'univers avec poésie de la couleur. Poésie de la couleur, comme j'aimais un Paul Klee, poésie de la couleur, comme j'aimais un Miro, un Calder. Et moi, je me sens aussi dans une filiale, une variable, une sortie qui continue, mais dans un cinétisme que je l'appelle holocinétique, c'est-à-dire tout cinétique. Ici à Paris, cette idée m'est venue en 1974 et depuis lors, la richesse des possibilités sont inouïes. Justement, je commençais par un arbre de Valence. Je suis né au Venezuela. Et comment s'exprimer le cosmos qui entre, qui vit dans la nature de croissance, vie et mort d'un arbre comme nous. Alors l'exprimer poétiquement pour créer l'inquiétude que notre notion transitoire d'exister. Il meurt des soleils, ces planètes, dans tous les procès de cellules humaines et atomes, comme le cosmos. L'entier cosmos, pour moi, il est dans un corps transitoire d'un être humain, aussi bien dans l'arbre, aussi bien dans un chien, n'importe quel animal qui nous accompagne dans notre planète. Planète, si je rêvais toujours de changer les noms, j'aimerais qu'un jour cette planète s'appelle planète arc-en-ciel. Ces lumières successives des ondes différentes lumineuses ensemble, si l'on trouve un arc-en-ciel comme le nôtre dans les grands espaces interstellaires, il y sera où il y est une maison tout entière prête pour y être habitée par nous. Thank you.
Ou soit un miroir qui est resté fixe pendant au moins une centaine d'années. Quand même, le miroir, c'est si à un niveau microcosmique, d'une image fantasmale suivante accumulée. Il suffit de pénétrer comme l'infrarouge, l'ultraviolet. Vieux Albert Einstein, il disait « Ce qui m'intéresse, c'est de savoir la pensée de Dieu. Le reste pour moi, ce sont des détails de la vie. » Des secrets entre l'état et l'état de l'esprit humain, la luminosité créative de l'esprit, et moi je crois en Dieu, la luminosité de Dieu qui se communique dans l'instant intuitif, l'état lumineux. C'est entre l'intuition et la logique. Là, c'est cet instant critique est aussi dès la science. La recherche de l'univers et la lumière. Newton l'avait dit d'une façon simple, préparer l'imagination pour faire les sauts. Et ça, c'est aussi l'histoire de l'art. Une machine qui parle des eaux, à sa version Jules Verne, différente sur la Lune, donne l'énergie pour créer ces images fantasmagoriques tridimensionnelles qui ne se répètent pas. C'est comme une suite fantasmagorique dans cette maison au bord de l'eau. J'ai ceci, la coïncidence. Moi, je trouvais aussi la coïncidence que les facteurs qui nous donnent toutes les couleurs dans notre planète, si l'on trouve dans l'univers une planète arc-en-ciel, on trouvera une maison semblable à la nôtre.